Bonjour à tous. Comme vous venez de le constater, la route, c'est le sujet d'aujourd'hui. Les routes à Libreville sont un véritable, disons-le, casse-tête gabonais. Le mauvais état de la route a des conséquences sur nos véhicules. C'est clair. Dieudonné Kumba, pour cela, s'est rapproché d'un mécanicien pour examiner les problèmes rencontrés par vous, les usagers, lorsque nous circulons sur ces routes. Avoir un véhicule en bon état aujourd'hui relève du miracle. Le réseau routier urbain, interurbain et celui de la nationale. Les pouvoirs publics ont-ils démissionné devant ce problème de crevasses et nids de poules qui sont une spécificité de notre réseau? On est tenté de répondre par l'affirmative. L'incivisme des populations dans les zones urbaines, la forte pluviométrie, l'absence d'assainissement, d'entretien et d'une vraie couche de forme lors du démarrage des différents travaux de construction du réseau routier de notre pays. Ce sont là, entre autres aujourd'hui, les raisons de la destruction de nos routes. Le constat des Librevillois fait devant ce problème se résume-t-il à une forme d'abandon ou d'impuissance de la part des pouvoirs publics? Conséquence, les retards au travail, les embouteillages et surtout les usagers qui payent le lourd tribut. Voilà, Chambarlan, après donc avoir fait le tour des rues de Libreville pour voir justement les crevasses qui causent des dégâts sur les véhicules, nous sommes ici dans un garage, nous allons donc voir ensemble l'impact de ces derniers sur les véhicules. Voilà, ça tombe bien qu'on trouve justement ces vaillants messieurs en train de travailler sur un véhicule. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, ce n'est nouveau pour personne. Lorsqu'on circule dans Libreville, on peut constater que les rues sont considérablement détériorées. Quelles sont les pannes principales que vous détectez sur les véhicules lorsqu'on vous les amène ici? C'est physique. Hein. Il faudrait que les gens sachent que quand les routes sont détériorées, il y a des impacts au niveau des véhicules. Quel que soit un véhicule de case ou un véhicule neuf. Et c'est quoi les pannes principales? Mais quand on est déjà au sujet, déjà, quand un véhicule et quand... Comment dirais-je, quand l'état des routes déjà elle est mauvaise, soyez-en sûr que les véhicules qui sont à mobilité de rouler sur ces voies, que les voies sont usées, les véhicules ont le droit de prendre un coup. Et là, on voit par exemple que vous bossez sur, je ne sais pas, c'est une suspension celle-là? Là, on a tout de refaire une distribution dans le véhicule, les suspensions sont déjà effectuées déjà depuis. Est-ce que cette panne fait partie des pannes que l'on détecte quotidiennement à cause de la qualité des routes? Mais les suspensions sont déjà à l'origine, déjà d'abord des pannes de route. Hein. Vous savez qu'ici, les routes sont déjà tellement déjà mauvaises. Vous pouvez acheter un véhicule pendant des centaines de milles, mais qui ne font même pas pratiquement deux mois avec. On peut par exemple constater quel genre de panne? Les pannes sont souvent, ce sont les amortisseurs déjà, les suspensions. Les suspensions, ce sont des amortisseurs déjà au départ. Okay. Vous avez des billets de suspension, vous avez des supports moteurs. Par exemple, comme celui-ci. Vous voyez? Là, ici, c'est un support moteur qui fait partie de la suspension du moteur. Il est cassé? Il est cassé. Et là, on est en train déjà de le changer. Ok. Et ces supports cassés, celui supposons aux vibrations de la route. Ok. La route, quand elle est mauvaise, avec les vibrations, mais les supports prennent un coup. Donc, en plus des supports, des amortisseurs, qu'est-ce qu'on peut rencontrer d'autre? Quel autre type de problème on rencontre sur les véhicules? Sur les véhicules, vous savez dire qu'une fois que la route est mauvaise, quel que soit le véhicule lequel vous conduisez sur la voie, mais la première chose qui prend le coup, ce sont les suspensions. Donc, amortisseurs, billets de suspension, rotules, supports, tout ce qui est suspension. Quand il y a les flaques d'eau sur une voie, les voitures électroniques prennent un coup. Qui signifie que vous pouvez avoir une cassure de moteur, vous pouvez avoir un défaut au niveau de l'électricité occasionné par de l'eau, les flaques d'eau. Okay? Et peut-être même les suspensions de moteur. Suspensions de moteur encore, ça c'est mécanique. Mais côté électricité, dans les flaques d'eau, quand vous quittez, supposons, d'une longue durée et vous rentrez subitement dans une flaque d'eau, automatiquement le moteur prend un coup. C'est ce qu'on appelle le refroidissement brusque.
Et comment parvenez-vous à résoudre tous ces problèmes de panne? Est-ce que les pièces, on les trouve facilement? Comment vous vous en sortez? Mais vous savez, non, c'est le pied de gueule. Hein. Tous les véhicules, pourtant, ils viennent bien au neuf ici, au Gabon. Mais vous savez que les pièces, il faut les commander. Hein. Il n'y a pas de pièces. Il faut faire des commandes. Les commandes peuvent varier de 2 semaines à 1 mois. Est-ce que là aussi le business ne prend pas un coup si vous devez d'abord sursoir ce que vous faites pour attendre l'arrivée des pièces? Mais si, ça prend un coup. Parce que si vous avez affaire à un client qui a seulement un seul véhicule, comment vous faites? Vous êtes obligé de chercher à venir à son besoin. C'est-à-dire trouver un véhicule qui peut au moins le dépanner pendant la période laquelle la voiture est immobilisée. Et pour le travail que vous faites là maintenant, nous avons la chance d'avoir le propriétaire juste à côté de vous. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes usager, vous circulez régulièrement à Libreville. Oui. On sait ce que les routes sont chez nous. Oui. Quel type de problème vous rencontrez avec votre véhicule? D'abord, pour vous dire, vraiment, c'est vraiment très décevant. Parce que l'état de nos routes, vraiment, alors là, ne permet pas vraiment de circuler avec ce type de véhicule. Vraiment. Alors, moi, j'habite à Ondor, donc vous imaginez un peu, Ondor, la route. Vraiment, donc, si j'amenais ce véhicule chez M. Godefroy, c'est par rapport à la route, l'état de la route. Donc, vraiment, Ondor, pour sortir, d'abord, vous levez d'abord très tôt le matin. Alors, pire encore, lorsqu'il pleut. Alors là, si vous n'avez pas un 4x4, je vous assure que vous allez forcer et... Ça nous amène vraiment à ce, que à ce type de panne. Voilà, ce type de panne. Va-t-on vraiment dire qu'il faut être plein aux as à Libreville pour, être propriétaire d'un véhicule? Non. Ou on fait avec les moyens de bord? Non, pas du tout. On fait avec les moyens de bord. Voilà, c'est de l'organisation et puis voilà, c'est tout. Oh, juste pour avoir une petite idée, hein, combien tout ça va vous coûter? Je ne sais pas combien ça va me coûter. Vous n'avez pas encore parlé avec le monsieur? Pas encore, j'attends. Il va me faire un défi et puis voilà. Toujours est-il que ça fera une petite fortune? Un peu ça. Et surtout, c'est pas les suspensions déjà au départ. Les suspensions d'un véhicule, déjà au-delà d'un véhicule, on n'a pas moins de 500 000 déjà au départ. Parce que déjà, rien que déjà qu'un amortisseur, on n'a pas moins de 200 000 balles pour un amortisseur. Imaginez déjà les deux déjà, c'est déjà le prix déjà, et de sur quoi vous êtes obligé, parce que quand on voit l'état de route, vous êtes obligé de conduire. Oui. Ok. Merci pour ces quelques explications et peut-être à très bientôt. Je vous en prie. Merci bien. Okay. C'est à droite ou à gauche? Tout ici, là, devant nous. Bonjour. Vous faites Clando? Oui. Ah. Vous avez eu la panne là depuis le matin ou tout à l'heure? Depuis le matin, oui. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est l'eau qui entre dans le roulement et puis ça gaspille. L'eau? Oui. L'eau, la route avec. Il y a l'eau et puis le trou. Mais personnellement, c'est l'eau parce que le roulement avec l'eau, ça ne marche pas. Oui. Et là, vous n'avez pas appelé un mécanicien pour venir jusqu'ici? Non, en fait, c'est que moi aussi, je fais un peu dans la mécanique, donc je me débrouille aussi un peu parfois à faire quand ça ne va pas. Et donc là, les clients sont repartis? Oui. J'ai laissé les clés et puis je fais d'abord avant de recommencer si ça va aller. C'est la première fois que ça vous arrive? Non, tous les jours. Ici, pour rien, la voiture, c'est pratiquement tous les minutes même. Même pas tous les jours. À chaque fois, il faut toujours faire quelque chose. Toujours, toujours. La route là, c'est comme ça. Maintenant, descend. Avec ce réseau routier, c'est clair que la voiture n'a pas la même santé, pour employer cette expression. Un véhicule, il faut l'entretenir. Et l'entretien d'un véhicule passe inévitablement par ce qu'on appelle une visite technique.
La visite technique est au véhicule, ce que le bilan de santé est pour l'être humain. Allons avec Gabin Atiga au centre technique à Olumi, dans la zone industrielle de Libreville, voir comment traiter nos véhicules qui passent le temps, comme c'est le cas maintenant dans les crevasses de la capitale. Allez, courage! Ça s'appelle jeune de bol. Ouais. Ici, tu as le roulement. Okay. On appelle le roulement de pivot. Okay. Donc, c'est ce qui permet quand on joue avec la plaque à jeu, okay. Ça permet de voir si les roulements sont en bon état. Là, tu as les joints de l'étanchéité. Okay. Sur la touche. Okay. C'est pourquoi ça lui qui coule. Qui coule par là. Et en haut aussi, tu as le roulement aussi. Donc, okay, faut changer ça. Okay. Il y a un jeu. Okay. Donc, des deux côtés alors. Deux côtés. Ok, d'accord. Tu vas faire un seul côté, tu vas faire deux côtés. Attention, toi, tu celui-là, il fait bien de nuit. Hein? Il est foutu, il fait de nuit. Où ça? Il n'est plus étanche, ça, mon tisseur. Ah bon, hein? Ouais. Ok. Il faut des le pont là aussi, la tempête là aussi, il faut. Ok. Là, c'est les joints, il faut changer tous les joints là. Ok. Comment on a regardé du dessus? Là, bah, aussi, les tordus, il faut les changer aussi. Mm-hmm. Bah, attention. Là, la boîte de transfert, tu as des fruits, tu as du fruit d'huile. Du fruit. Là, c'est l'état de nos routes, hein? Bien sûr, bien sûr. C'est tout cela qui affecte. Alors finalement ça va. Bon, là c'est obligé qu'on s'agit sur ton véhicule. Ouais. Tu as des jeux de roulement qui sont beaux. Il y a avant-gauche, avant-droite pour améliorer ça. Okay. Tu as la motrice de direction aussi. Mm-hmm. Et tu as les garnitures de frein. Et c'est une de roue, voilà, tu as pour améliorer ça. Ok, là, okay. Là, c'est le moyen qu'on a pour le véhicule. Ok, d'accord. Merci, bon génie. Ok, d'accord. Okay. Vous êtes satisfait du contrôle? Oh, satisfait. Oui, d'avoir découvert tout les dommages sur la voiture. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est au niveau technique, au niveau mécanique ou au niveau électricité? Ben, au niveau mécanique, hein, suite à l'état de la route hein, actuellement, c'est compliqué. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez acheter les pièces? Ben oui. Est-ce facile de les avoir? Ben non, on doit acheter les pièces effectivement. C'est des voitures qui nécessitent des pièces à l'extérieur et même quand on les commande, c'est bien compliqué de les faire venir. Et lorsqu'on attend les contrôles, ils ne comprennent pas que l'état de la route fait en sorte que on est bien obligé de subir conditions de la route et que déjà faire venir des pièces de l'extérieur ça met du temps et on n'est pas souvent obligé d'attendre. Ça prend en gros combien de temps? Deux mois, trois mois. Pendant ce temps vous attendez ou mais, vous faites quoi? Mais vous on continuez à rouler de... Mais il faut la parce rouler. C'est un danger aussi pour les usagers. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse monsieur? Il faut bien que nous on a des enfants déposés à l'école, on a des courses pour aller au travail, des taxis le matin c'est pas facile. Hein. Donc on est obligé de faire cela. Voilà. Écoutez, courage. Hein. Et merci, hein, espérons que ça s'améliore avec le temps. Merci. Alors, que faites-vous là maintenant? Bon, là, en principe, avant de mettre le véhicule sur le banc, j'ai bien moi sur l'ordinateur, le numéro de matriculation. Donc, j'ai terminé, maintenant, je passe maintenant prendre le véhicule pour le mettre sur le banc, pour commencer le diagnostic. Au regard de tout ce que vous venez de faire là sur le véhicule Bordeaux qui est parti, oui. Que peut-on retenir? Voilà. Quels sont les types de pannes que vous rencontrez ici? Ici, on rencontre plus les freins, les amortisseurs, les voitures, les fuites d'huile, et un peu tous les soufflets de cadran, les manières. On aurait pu les laisser contre ça, c'est vrai, tout ce que j'ai vu. Vu l'état de route, un peu, voilà, un peu, les animaux qui connaissent ça, tout ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que vous demandez aux usagers, aux chauffeurs, après avoir diagnostiqué tout cela? Après avoir fait tout ça, nous demandons de se rapprocher des mécaniciens, avec tout ce que nous avons constaté, d'aller présenter ça à un mécanicien. Mais là, si le mécanicien a des doutes, il revient vers nous, on est avec la dame du véhicule, non, on fait passer le véhicule devant le mécanicien. À partir de là, maintenant, on va essayer de suivre le mécanicien. Et là, qu'allez-vous faire là? On peut vous suivre? Là, il est en train de vérifier la suspension, la suspension avant. Avant. Ouais. Mm-hmm. Et que détecte-t-il là en ce moment? Je vois ici avant gauche 76, oui, avant droit 79%. Évidemment, ça, c'est en bon état. Mm-hmm. Voilà. Donc, et la différence, elle est de 3. 3. Mm-hmm. C'est bon, c'est pas ça. Ça. On a là. Là, ça prend l'efficacité du plaquette. Le plaquette.
ah ouais, ça freine beaucoup là. Voilà. Est-ce que sur le tableau on peut revoir la même chose? Oui. Ici vous avez une roue qui freine moins que l'autre. Ah oui, l'écart est de 31%, c'est quand même beaucoup. Voilà, c'est quand même beaucoup. Mais bon, mais ça passe. Ça va. Mais le pourcentage normal, il devait être de combien? Normalement. De 200, 300, 500? Oui, normalement 200, il doit être 200. Il doit être 220, 230 par là. Là, il doit être 357 pour 227. Et là, on a 100 là de différence. Ouais. Voilà. Et après ce processus, que va-t-il faire? Il va encore avancer maintenant pour contrôler la suspension arrière. Suspension arrière, voilà. Est-ce que vous pouvez avancer pour que l'on regarde la suspension arrière? Suspension arrière, Chamberlain, c'est juste celle-là. Une usine technique avec l'état de nos routes, certaines encore. C'est vrai que nous avons un réseau routier qui est un peu en mauvais état, et donc met à rude épreuve nos véhicules. Donc il faut les faire vérifier régulièrement afin d'assurer notre sécurité. Là-dessus, les vitesses excessives que nous rencontrons maintenant sur les routes qui sont en train de s'améliorer et de se développer, nous devons avoir des véhicules en bon état. Et pour avoir un véhicule en bon état, il faut forcément passer par la case visite technique, parce que ça peut vous aider à entretenir le véhicule, et surtout ça vous permettra d'assurer que vous roulez en toute sécurité avec vous et votre famille. Avez-vous le matériel adéquat pour détecter les différentes pannes mécaniques que l'on rencontre? Alors, la réglementation gabonaise donc, prévoit le contrôle de certains organes de sécurité et donc prévoit pour l'installation des centres de contrôle technique un ensemble de matériel. Nous avons cet ensemble de matériel qui permet donc de contrôler conformément à la réglementation le véhicule, c'est-à-dire les organes de direction, le freinage, la suspension, l'éclairage. Et bien évidemment, cette réglementation nous autorise pas à démonter des parties du véhicule pour faire une inspection plus poussée. Donc, nous avons bien le matériel pour faire le contrôle technique comme il se doit, mais la réglementation limite notre champ d'investigation au point essentiel. Donc, c'est pour cela que la visite technique, certes, c'est vrai qu'elle est nécessaire afin de repérer les petits problèmes qu'il peut y avoir sur des organes de sécurité, mais ne permet pas de diagnostiquer toutes les pannes que l'on peut rencontrer sur un véhicule, notamment les pannes électroniques qui arrivent régulièrement sous nos climats tropicaux. Est-ce que également vous tenez en compte l'épineux problème de la pollution? Alors nous avons un équipement anti-pollution qui est exigé par la réglementation du contrôle technique, mais malheureusement aucune norme n'a été mise en place par l'administration concernant les taux maximum autorisés pour les émissions polluantes de ces véhicules. Donc le matériel est là, mais nous ne pouvons pas l'utiliser à défaut d'une réglementation qui n'est actuellement pas mise en place. Monsieur Rossi, bonjour. Bonjour à vous. Asseyez-vous. Alors, comme on vient de le voir, à travers les rues de Libreville, les routes sont en mauvais état. Évidemment, parler de la route, ça va nécessiter beaucoup des heures, des missions. Mais avec vous, en tant que spécialiste de la route, est-ce que vous pouvez nous donner quelques raisons qui expliquent le mauvais état des routes à Libreville? Oui, je pense que le problème principal, c'est l'aménagement de la route. C'est-à-dire toutes les œuvres en béton armé qui sont nécessaires pour la protection de la structure de la route. Si ce travail est bien fait, alors la route est protégée de la pluie, que c'est le problème plus grand au Gabon. Il pleut abondamment ici au Gabon, on le constate. Oui. Les caniveaux, vous faites allusion aux caniveaux? Oui, caniveaux dans l'eau, fossés en terre, fossés bétonnés, etc. etc. Alors, d'aucuns pensent et vont jusqu'à dire que c'est certainement parce que aussi ces routes ne sont pas faites dans les règles de l'art. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est nécessaire penser de faire un bon entretien. L'entretien de la route, c'est la chose principale. Quand sont réalisés les dallos, les caniveaux, après, il est nécessaire faire la maintenance de cette œuvre. C'est la première chose. Donc, périodiquement, il est nécessaire intervenir pour nettoyer les caniveaux, les dallos et toutes les œuvres à protection de la route. Nous avons constaté, avec Gabin et Dieudonné, qui ont sillonné Libreville, qu'à certains endroits, il y a ce qu'on appelle les nids de poules. Et quelque temps après, l'on revient boucher ces nids de poules. Mais une fois la saison de pluie arrivée, ou quelques mois après,
les mêmes problèmes reviennent. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème de la qualité du bitume, du goudron, comme on dit communément? C'est clair que quand on réalise la structure pour une adulte, il est nécessaire de faire tout selon la règle de l'art. Ça, c'est normal. Mais je répète, existe un type de manière de réaliser la route. C'est une règle standard. Oui. C'est une règle standard, en tous les mots, mais ça dépend du type de matériaux qui sont présents dans les pays. Le climat aussi? Oui, aussi le climat. Oui. Au Gabon, le problème principal, j'ai déjà dit, c'est la pluie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'assainissement, c'est la chose plus importante. C'est la chose d'étudier très bien avant de commencer l'intervention sur la route. Évidemment qu'il y a le climat qui change selon les pays. En Italie, ce n'est pas le même climat qu'au Gabon, c'est clair. Alors, peut-on peut-être imaginer des routes rien qu'en pavé à Libreville pour résoudre le problème? Non, je ne pense pas. C'est trop, coûte beaucoup pour l'État, ça. C'est bon comme vous êtes en train de réaliser avec la manière traditionnelle, avec le goudron. C'est la manière meilleure pour réaliser la route. Ça, c'est normal. Alors, les routes aussi varient. Il y a des routes communales dans les quartiers et il y a les routes nationales qui, elles, supportent les camions, les poids lourds. Est-ce que là aussi, ces routes se fabriquent, se construisent de la même façon? Oui, le système, c'est le même. Le type de structure, la quantité de couches, le type de couches, c'est la même. Grosso modo, c'est la même. Mais ça, c'est important, réaliser tout selon une certaine manière. C'est-à-dire, quand j'arrive sur le terrain pour réaliser la route, je dois faire la première chose, j'ai déjà dit, l'assainissement. Je vais réaliser toutes les œuvres nécessaires à la protection. Et après l'assainissement, il est nécessaire de faire une bonne couche de forme, c'est-à-dire lever tout le terrain végétal qui est présent sur le terrain pour une épaisseur moyenne de 30 cm. Mais 30 cm. 30 cm. Mais il est possible que si je lève 30 cm, le terrain en bas va être marécageux. Oui. Donc je dois lever encore terrain. Bien de l'argile. Oui. Ou bien du sable. Oui, je dois lever le terrain jusqu'à trop le sol dur, le sol bon. Donc peut-être que l'excavation peut être, 30 cm, mais aussi 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Donc je dois continuer à lever le terrain végétal jusqu'à trop un bon terrain de partance. Donc, si je vous comprends bien, avoir une bonne base, un peu comme quand on construit une maison, il faut avoir des fondements solides. Oui. Ça, c'est la première chose, parce que la couche de forme. Après la couche de forme, nous réalisons l'autre couche. Mais si la couche de forme est bien faite, l'autre couche sûrement aura un bon comportement. Parce qu'après la couche de forme, je dois faire la couche de fondation, la couche de base et la couche de revêtement, les bébés, béton bitumineux. Donc, pour moi, la première chose est faire une bonne couche de forme, donc la fondation. Si la fondation est bien faite, tout le reste aura une garantie pour beaucoup d'années. Une bonne route, ça peut durer combien d'années, monsieur Rossi? 100 ans, non? 100 ans, oui, mais ça, c'est tout connexe à l'entretien. Avec l'entretien, c'est sûr que l'assainissement. Avec l'entretien, c'est sûr que la route pour durer beaucoup de temps. Alors, c'est ma dernière question, monsieur Rossi. Est-ce qu'on peut voir, mais de façon synthétisée, résumée, est-ce que vous pouvez nous donner un format type? C'est quoi une bonne route, un modèle qu'on peut, par exemple, appliquer ici au Gabon pour qu'on n'ait plus cette situation que l'on voit malheureusement dans la ville, c'est-à-dire des trous un peu partout, des nids de poules par-ci et par-là? C'est quoi une bonne route? Elle se fait comment? Pour exécuter une bonne route, normalement c'est travail comme indiqué dans la coupe. Okay.
Donc, se commence à lever tout le terrain végétal pour réaliser la couche d'effort. Après l'élèvement de le terrain végétal, est nécessaire de mettre de la graveleuse latéritique sélectionnée d'épaisseur variable. Mm-hmm. Okay? Après, la deuxième couche, c'est la couche de fondation, un graveleux latéritique traité à 4% au ciment ou un grave concassé. Après, la couche d'imprégnation au bitume fluidifié. Après encore, la couche de base, un goudron. Après encore, une autre couche d'imprégnation. Et la partie finale, c'est la couche de revêtement. Mmh. Celle sur laquelle maintenant nous circulons avec la voiture, la moto, le vélo, c'est selon. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que toutes les routes qui sont réalisées chez nous obéissent à ce schéma-là? Non, je ne pense ça, mais ça c'est la règle de l'art. Ça c'est quelque normalement c'est fait au Gabon, mais aussi en Italie. Hein. Mm. Avec la différence qu'en Italie n'existe pas la latérite. C'est un grand matériau pour la route. Donc il faut adapter. Donc en Italie, en substitution de la latérite, s'utilise la sable et le concassage. Mm. Mais ça, je répète, parce qu'il n'existe pas la latérite. Ici vous avez une grande ressource qui est la latérite. Mm. Donc c'est une richesse importante. Oui, pour une bonne route. Très, très important. Mmh. Très, très important. Monsieur Rossi, merci. Merci à vous. Merci. Voilà, notre émission s'arrête ici et nous attendons vos commentaires sur notre site www.plus-réel.tv pour d'autres suggestions, d'autres critiques, bien entendu. Allez. Vous l'avez compris, une bonne route passe assurément par un assainissement. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, certainement, pour circuler dans de très bonnes routes.